Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec un tirage qui se nomme l'Union, avec le tarot des rêves de Gaïa. Donc la première carte en bas à gauche représente l'aspect. Elle va montrer à ce quoi vous devez faire attention. C'est un aspect de vous donc qu'il va falloir aborder et surtout réfléchir au message de cette carte. La deuxième à droite en bas montre un autre aspect de vous et un autre comme une autre force. Donc ça peut être un conseil dans cette situation que vous allez vivre. Ensuite, la carte du haut, c'est les deux fusionnements en un. Elle va vous proposer une façon de procéder. Elle va permettre aussi de marier les deux cartes que nous avons eues entre l'aspect et l'âme pour parvenir à une complétude et un équilibre. Je vous laisse découvrir tout de suite le tirage. Alors, dans ce tirage de l'union, à gauche, donc la carte de l'aspect, nous avons la carte « le choix ». À droite, pour la carte de l'âme, nous avons le 10 d'air. Et en haut, pour les deux fusionnements, nous avons le 7 de feu. Pour la carte de l'aspect, nous avons eu le choix. Le choix, ça peut être des occasions, le libre arbitre, des manifestations, des choix qui ont créé votre réalité, des choix qui vous appartiennent. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez appris et dans ce que vous avez fait l'expérience a été engendré par des choix. Des choix que vous avez faits, ceux que les autres ont fait pour vous, ou les choix qui ont été faits par eux-mêmes et qui ont eu un impact ou une influence dans votre vie. Vous pouvez croire que vous n'avez pas le choix, mais en soi c'est déjà un choix. Vous pouvez aussi exercer votre droit de laisser les autres décider pour vous. C'est aussi un choix. Vous pouvez penser que vous avez trop d'options possibles et permettre que cela vienne embrouiller et voiler votre capacité à choisir. Là encore, c'est un choix de votre part. Vous pouvez choisir aveuglément ou avec soin. Vous pouvez choisir d'agir ou de différer les choses. Vous pouvez faire vos choix avec sagesse, en conscience et en connaissance, ou faire dans l'ignorance, ou choisir d'y croire ou non. Vous êtes béni du don du libre arbitre. Vous avez le pouvoir d'agir et de choisir en toute indépendance et en déterminer votre futur. Vous êtes le produit de votre choix et du choix des autres. Tout ce qui est autour de vous est le résultat de vos propres choix et de ceux des autres. Tout revient au choix. Concernant le passé, lorsque vous étiez enfant et que vous dépendiez de vos parents et de votre famille pour la nourriture, pour avoir un toit, recevoir de l'amour et être protégé. Vos choix étaient limités et on le faisait souvent pour vous. En grandissant, votre pouvoir de choisir et de jouer un rôle actif dans vos expériences de vie a également grandi. Ces choix, faits par vous et par vous, ont contribué à vous former et leur influence a été déterminante pour créer la personne que vous êtes à présent. Tout ce que vous avez vécu du fait de ces choix a façonné vos croyances, c'est-à-dire votre façon de percevoir le monde autour de vous et d'en faire l'expérience. Nous ne pouvons pas abolir nos choix. Nous ne pouvons pas remonter le cours du temps et vivre à nouveau et autrement des moments de notre vie. Ces moments appartiennent au passé et le passé ne peut être changé. Nous avons cependant décidé de faire des choix différents à présent, parce que nous avons choisi d'apprendre de nos choix passés et de tenir compte des conséquences qu'ils ont eues. Soyez conscient de votre passé, de la façon dont vous avez été élevé et au milieu dans lequel vous êtes né, car cela joue un rôle fondateur dans notre vie, en influençant notre capacité à voir et à choisir autrement. Demandez-vous si vous êtes esclave de votre éducation. Avez-vous été conditionné à croire, à vous comporter d'une certaine façon? Un conditionnement vous donne-t-il des aptitudes et du pouvoir, ou bien vous limite-t-il? Est-ce qu'il vous restreint? Vous accrochez-vous à des blessures et à des mauvais souvenirs qui vous attachent ainsi à un passé? Lorsque la carte du choix apparaît à la place du passé, il vous est demandé de vous interroger sur la façon dont le passé peut avoir une emprise sur votre aptitude à faire à présent des choix en usant pleinement de votre puissance. Pour le présent, en ce moment précis, l'occasion se présente pour vous de créer ou de transformer votre futur. Vous êtes à un carrefour.
Le passé est derrière vous et le futur s'ouvre devant vous. Le temps est venu pour vous de prendre à présent le contrôle de votre vie et de déterminer l'orientation que vous souhaitez. Soyez pleinement conscient, en même temps, que responsable des choix que vous faites à présent. Observez la façon dont vos relations, vos croyances et vos états émotionnels vous influencent. Voyez-vous des occasions et des possibilités s'offrir à vous en grand nombre. Ce conditionnement vous donne-t-il des aptitudes et des pouvoirs, ou bien vous limite-t-il? Vous accrochez-vous à des blessures et à un mauvais souvenir qui vous attarde ici? Cela vous empêche-t-il d'aller de l'avant et de choisir de vous tourner vers des expériences plus positives et constructives? Êtes-vous quelqu'un dont le verre est à moitié plein ou à moitié vide? Servez-vous du moment présent pour faire le bilan? Demandez-vous si la décision qui se présente à vous est largement influencée par la relation que vous avez avec quelqu'un ou si vous choisissez ainsi pour faire plaisir à d'autres ou bien si c'est pour vous faire plaisir à vous. Votre choix comporte-t-il des risques? Avez-vous pris en considération les conséquences ou les récompenses qui pourront découler de la façon dont vous allez agir? N'oubliez pas, le choix vous appartient. Qu'il implique ou non de prendre un risque, de permettre à quelqu'un d'autre de choisir pour vous ou de donner du bonheur, et bien d'autres autrui plus importants qu'au propre bonheur et au bien-être. Si vous ne faites rien du tout, c'est également votre choix. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, c'est qu'il vous est demandé de prendre des décisions en ayant conscience que vos choix vous déterminent et qu'ils ont un réel pouvoir. Le futur. Avec chaque action, une réaction égale s'élève. Chacun des choix que vous faites et à partir duquel vous agissez ou pas donneront lieu à une récompense, ou aura une conséquence directe ou indirecte. La carte du choix demande que vous pratiquiez en pleine conscience même les décisions que vous prenez spontanément. Que va apporter ce choix dans votre vie ? Avez-vous considéré ses conséquences possibles ou seulement les récompenses éventuelles? Avez-vous pris le temps d'évaluer les possibilités et de prendre en compte l'impact qu'il peut avoir sur vos décisions? Vos décisions peuvent-elles avoir des conséquences que vous n'avez pas envisagées? Votre choix peut-il mettre fin à une amitié ou à un mariage, amener la perte de vos travaux ou pire? Alors, qu'un choix différent pourrait ne vous apporter que plaisir et abondance, indépendamment du choix qui se présente à vous. Prenez le temps d'étudier, de prendre vos décisions et choisissez en sorte que cela apporte un changement à votre propre façon de concevoir les choses et de les faire. Déterminez votre orientation, étudiez les conséquences et les récompenses possibles et considérez l'impact de vos choix. Décidez s'ils en valent la peine, s'ils sont amenés à un futur qui sera en harmonie avec vos attentions et vos désirs. Deuxième carte à droite, ce qui concerne l'âme, le 10 d'air. C'est une individualisation, une réalisation de soi. C'est le moment d'être indépendante. Regardez, reconnaissez votre potentiel. Le processus d'individuation amène à devenir soi, en nous émancipant des forces intérieures qui nous définissent parce que nous le croyons. Pour devenir un être indépendant, qui reconnaît et accueille pleinement ce qu'il est et ce qu'il a d'unique. Il s'agit d'enlever le masque que nous présentons au public pour être aimé, respecté, accepté. Accepter de quitter le visage que nous montrons, d'être correct et d'avoir un sentiment d'appartenance. Notre visage public et notre visage privé ne sont plus différents. C'est notre visage que nous présentons au monde, et même si on ne l'aime pas, c'est comme ça. Si cela fait de nous un mouton noir dans un troupeau de moutons blancs, c'est comme ça. Il vaut mieux être honnête et accepté par un petit nombre, que ce soit par notre famille ou la société ou les amis qui sont autour de nous. L'individualisation, c'est peut-être ce que l'on est censé être. C'est s'affranchir de l'inquiétude de ce que les gens pensent de nous, parce que nous aimons, parce que nous sommes, parce que nous faisons de notre vie. Nous sommes libres, libérés parce que nous ne sommes pas soumis aux opinions
que les autres ont sur nous, au contraire de la société, ni aux empêchements dus au passé. C'est intégrer le conscient et l'inconscient, l'âme et l'ombre, le masculin et le féminin, et créer un tout où au centre réside le soi. La dualité ne sépare pas et ne divise plus. Tout est harmonie et tout travail à l'unisson. Vous êtes vous, entier ou entière, complet ou complète, et toujours en évolution. Et cette évolution n'est pas un processus linéaire. C'est un processus cyclique d'observer le soi et de voir depuis une multitude de points de vue. C'est accepter et intégrer toutes les facettes et tous les aspects de soi dans un tout. Aucun aspect n'est laid ou beau, aucun n'est bon ou mauvais, aucun n'est meilleur ni pire. Chacun d'eux a sa place et son sens en tant qu'une partie du magnifique ensemble du tout. Vous individualiser, c'est comprendre les paradoxes et accepter que vous êtes un, que vous êtes une, un être humain. Être un tout en étant complètement humain, c'est être paradoxal. Pourquoi le 10 d'air apparaît dans votre tirage? Il représente le moment de votre vie qui suit le choix. Vous voyez, ça va avec la carte qu'on avait tirée pour l'aspect, donc qui est le choix. De vous émanciper et de votre manque de vous montrer tel que vous êtes. Ne pas mettre un visage que vous mettez soit en public, soit en privé, soyez vous-même. Là, nous ne nous cachons plus nos pensées, nos convictions, nos sentiments, ni notre pouvoir d'être aimé, respecté. Nous avons tourné le dos aux attentes et aux conventions, à la médiocrité, à ce qui est normal, pour accueillir et accepter qui nous sommes et nous tenir dans notre droiture avec fierté. Il est temps de nous séparer du troupeau et de suivre notre propre chemin. Vous êtes libre d'être au mieux de ce que vous pouvez, au lieu d'être ce que la société vous dit d'être. Et on termine avec la carte du haut qui est les deux fusionnements. On a le 7 de feu. Le 7 de feu, c'est la divination, les signes, tenir compte de son intuition, regarder en soi, chercher des réponses, prendre conscience et confiance. Le 7 de feu représente le développement et le recours à l'intuition pour chercher son chemin et pour produire et prédire des résultats possibles. L'intuition est un sentiment viscéral, une connaissance instinctive ou inconsciente qui, lorsque vous la suivez, vous empêche de faire des erreurs et vous amène à être sur la bonne place au bon moment. C'est un sentiment que l'on ignore souvent, celui de pouvoir reconnaître ce qui est juste. Mais si l'on choisit de le suivre, il peut nous faire évoluer dans notre existence en accord et en harmonie avec la paix qui nous entoure. En ayant régulièrement recours à son intuition et en lui faisant confiance, on peut se rendre compte que l'on observe davantage les choses et qu'en retour, on apprend davantage. On commence à voir et à remarquer les signes et les messages qui se présentent sur notre chemin. On prend note de ces coïncidences inexplicables et ces petits événements qui ne cessent de se répéter et qui, si on les suit, peuvent nous amener à des découvertes qui nous révèlent pas seulement la vérité que l'on recherche, mais également la raison même de notre existence. Nous servir de notre intuition et la suivre peut amener des occasions et des expériences qui nous offrent la possibilité à la fois de nous combler et d'inspirer les autres. Cependant, faire confiance à son intuition demande que l'on regarde en soi pour déterminer ce que les messages signifient personnellement pour soi. Vous pouvez demander conseil, rechercher une guidance, mais il n'y a que vous qui connaissez les réponses. L'interprétation personnelle est la clé. Faire confiance dans les connaissances, dans votre inconscient, voilà la clé. Une tierce partie de vous peut donner un point de vue différent, mais elle voit et comprend la vie à travers son regard qui a été façonné et influencé par ses propres expériences, pas par les vôtres. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce que cela peut signifier, pas par les autres. Il n'y a que vous qui sachiez si quelque chose est juste pour vous. Le 7 de feu représente la nécessité de développer activement ou de faire confiance en ce moment à votre intuition et à votre instinct. Regardez autour de vous, observez
et faites bonheur aux vérités révélées en allant là où votre intuition vous guide. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Bien entendu, je me suis servi du livre « Rechercher, ressentir, grandir, guérir » car il est très riche d'informations. Le but est de le connaître. Je l'ai eu pour mon anniversaire, donc il faut le temps de l'apprivoiser. Et comme j'ai souvent dit, soit on laisse notre intuition qui peut être un bon exercice pour faire un tirage, soit aussi on peut se servir du livret qui est juste magnifique. En tous les cas, si vous vivez cette situation, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je le répète sans cesse, avoir confiance et suivre son intuition. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.